bourses européennes ont gardé un cap positif, bien que modéré ce mercredi. Les investisseurs attendent sans inquiétude l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine et gardent un œil affûté sur les publications de résultats. Peugeot et Atos n'ont pas démérité aujourd'hui. Nous y revenons dans un instant. À la clôture des marchés parisiens, le Stock 600 gagnait 0,46% à 382 points. À Londres, le FTSE progressait de 0,39% à 7 463 points. À Francfort, le DAX gagnait 0,33% à 12 305 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 progressait de 0,6% à 5 191 points. Du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien, nous le disions en ouverture, suite à la publication de résultats meilleurs que prévus, nous avons Peugeot, plus 3,18% à 18,66 € et Atos, plus 2,83% à 129,30 €. En revanche, à la baisse, nous avions ArcelorMittal, moins 1,2% à 22,21 € et LafargeHolcim, moins 1,23% à 51,39 €. Du côté du marché des changes, pour finir à la clôture de Paris, 1 euro valait 1,1631 $ et 1 dollar valait 111,93 yens. À la Bourse de New York, c'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain.